Ouais, il est. Il part du côté. De notre côté gauche à nous, et puis on se parle pas, on se suit pas, et puis au final, quand on se retourne, c'est déjà trop tard. Donc, manque de communication, manque de prise en charge sur le but. Maintenant, on aurait dû mieux faire pour justement égaliser après ce but-là, parce que je pense qu'on a eu pas mal de situations intéressantes qu'on a. Mais bon. Ouais, on a manqué peut-être de poids devant, d'être un peu plus tueur, parce que voilà, je pense que si on avait joué des coups un peu différemment, on aurait pu revenir dans ce match. C'est une vraie voilà, cette coupe c'est une parenthèse, en plus une semaine assez importante quand même au niveau de la Ligue 2, mais c'est une vraie déception. De toute façon, tous les matchs qu'on perd, c'est des déceptions. Après, c'est sûr que je pense que l'objectif numéro un, c'est le match de Guingamp samedi, parce qu'on est dans une situation inconfortable en championnat. Donc, voilà. Après, la Coupe de France, ça permet aussi à certains qui jouent peu en championnat de s'exprimer et puis de les maintenir concernés. Maintenant, maintenant il n'y a plus que le championnat. Et ça va être à nous justement de faire un résultat positif, de enfin gagner à domicile, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné à domicile, et puis repartir sur une bonne deuxième partie de championnat, parce que la première a été, je vais pas dire ratée, mais très inconstante de notre part. Donc voilà, va falloir qu'on trouve des solutions offensivement et puis qu'on soit aussi intraitable défensivement. Je pense que c'est ce qui va faire la différence dans cette deuxième partie de saison.